Salut les curieux de l'histoire, j'espère que vous allez bien. Une toute petite vidéo pour vous annoncer deux choses. La première, c'est la création enfin du label Hérodote en tant qu'association loi 1901. Ça vient juste d'être fait ce mois-ci. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je rappelle que ce label Hérodote, à laquelle j'adhérais il y a déjà à peu près un an, est une association, un regroupement d'une vingtaine de youtubeurs traitant de l'histoire, dont je suis sûr que vous en connaissez au moins quelques-uns. Si je vous dis Sur le Champ, Entrée en Lice, Démistif, Averroès, je pense que certains ne vous sont pas totalement inconnus. L'avantage de cette association est triple. D'abord, cela va permettre d'améliorer davantage la qualité de nos vidéos, puisque désormais, une partie d'entre elles fera l'objet au préalable d'une correction, d'une analyse critique par un ou plusieurs membres du label. Ensuite, ça va favoriser les synergies, les projets en commun. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Entrée en Lice et Thomas Laurent autour d'une vidéo sur l'escrime médiévale allemande du 15e-16e siècle. Une vidéo que je vous conseille d'aller voir. Elle dure 45 minutes, mais vraiment, elle est superbe. Il vous explique l'origine, les mouvements, et ensuite, il y a une mise en pratique. Donc, allez la voir, le lien est en dessous de la description. Il y a également aussi Aeronauts, qui, avec Entrée en Lice, a fait une vidéo sur les casques de la Première Guerre mondiale, à laquelle j'ai participé à la correction. Enfin, et j'en viens à la seconde information, eh bien ça va favoriser la visibilité et les événements que nous allons faire en commun. Et donc, je vous annonce que mardi à 21h, nous allons faire notre premier débat en live. Un débat qui portera sur la vulgarisation en histoire. Quelles sont nos visions de la vulgarisation en histoire? Comment est-ce que nous choisissons nos sujets? Est-ce que nous faisons en fonction des sujets qui vont marcher ou en fonction de nos préférences? Comment est-ce que nous travaillons? Quelles sont nos méthodes de recherche? À travers cette présentation, il s'agit, vous l'aurez compris, de voir aussi quelles sont nos différences, puisque, en fin de compte, il s'agira d'un débat, et je pense que nous ne serons pas d'accord sur tout, et c'est pas grave, parce que c'est justement l'objet de l'exercice. Donc si ça vous intéresse, eh bien, allez sur la chaîne du label, mardi soir à 21h, nous ferons ce débat, et nous consacrerons ensuite une deuxième partie à vos questions, où vous pourrez nous adresser directement vos demandes. Donc j'espère que vous serez nombreux mardi, parce que déjà ça nous permettra d'avoir un lien direct, et puis en même temps pour nous ça serait une récompense à tout notre travail. Pour les autres, eh bien je vous souhaite à l'avance de bonnes fêtes et une bonne année, puisque je ne publierai pas de prochaine vidéo avant le mois de janvier. Je suis actuellement sur un projet d'écriture d'une grosse série sur l'Antiquité qui va me prendre plusieurs semaines de travail. D'ailleurs, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook. Voilà, et bien écoutez, d'ici là, n'hésitez pas non plus à regarder les anciennes vidéos. Et puis, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Longue vie et prospérité.